ce soir, le Hub La Provence a provoqué le débat, un débat que tout le monde a en tête dans cette rentrée de septembre. Comment l'intelligence artificielle et surtout ChatGPT va impacter les métiers de la région? Et donc ma position, hein, puisque j'ai été convié en tant que cas d'usage, j'ai envie de dire, je suis patron d'entreprise, patron de Mail in Black, une société de cybersécurité, c'est qu'aujourd'hui, nous, on en a un usage très intensif. Hein, on l'utilise pour produire nos propres technologies. Hein, on utilise ces nouvelles technologies pour rendre encore plus efficaces nos propres technologies. Donc je suis un fervent partisan et c'est ce que j'ai essayé de promouvoir ce soir dans le débat. Fondamentalement, ChatGPT est plein de promesses parce qu'en fait, à quoi il sert ? ChatGPT, il va permettre de booster la productivité des travailleurs, donc ils vont être meilleurs. D'autre part, ça va permettre de réduire le temps passé sur les différentes tâches des uns et des autres. On peut augmenter le temps de loisir, quoi. Et enfin, fondamentalement, ça va davantage aider les personnes qui sont un peu moins capables, un peu moins douées pour le travail. Et puis au contraire, ça aura des effets plutôt moins importants sur les gens qui sont au départ favorisés dans la capacité à travailler. En bref, les gens sont plus productifs, ils passent moins de temps à travailler et il y aura moins d'inégalités. Donc on peut dire quand même qu'il y a des promesses très importantes du côté de ChatGPT pour le système économique. Il y aura des destructions d'emplois, bien entendu. Comme toutes les technologies disruptives de ce type-là, il va y avoir une partie du travail humain qui va être remplacée par cette technologie, mais cette destruction d'emplois-là vont être compensées par des créations d'emplois dans d'autres secteurs de l'économie, pas nécessairement liées du tout à la technologie en question. C'est en fait ce qui arrive lorsque on a du changement technologique, c'est ce qui arrive lorsqu'on a le commerce international. Dans ces cas-là, des emplois sont détruits et la force d'un système socio-économique, c'est de permettre aux gens qui perdent ces emplois d'être reformés et de pouvoir se retrouver dans d'autres activités où ils pourront exercer leurs talents. Perte d'emploi, à l'évidence, oui. Hein. On a des exemples aujourd'hui concrets, mais je pense qu'il faut aussi faire attention à pas se focaliser sur ces pertes d'emplois, mais plutôt à regarder quel est le rôle des organisations. C'est-à-dire que pour moi, les entreprises ont un réel rôle à jouer dans la requalification des employés, dans une réflexion sur les évolutions des métiers et comment j'accompagne mes salariés par rapport à ça. Remettre les ressources humaines au centre des organisations là-dessus et évidemment créer des politiques en lien avec la stratégie de l'entreprise qui vont permettre de remettre à niveau les salariés, de les aider à se saisir de ces outils qui sont vraiment des outils performants mais dont l'usage n'est pas tout à fait garanti encore à l'heure actuelle. J'ai pas mal d'étudiants effectivement qui travaillent sur les technologies d'IA mais notamment une étudiante qui travaille sur les enjeux éthiques de l'intelligence artificielle et justement qui va aller interroger des entreprises qui développent des outils dans lesquels il y a de l'intelligence artificielle et qui les interroge sur les pratiques qu'elles mettent en place pour encadrer l'intelligence artificielle. Et ce qui est sûr, c'est que on est en fait toujours tiraillé entre la création de valeur, l'objectif de productivité et effectivement tenir compte de ces enjeux éthiques. Pour l'instant, la réponse, elle n'est pas tout à fait claire. On ne sait pas très bien où on va et on a encore beaucoup de mal à l'encadrer. Et donc, c'est là que c'est intéressant effectivement d'engager des réflexions entre des gens comme nous qui encadrons des doctorants et puis des entreprises qui développent effectivement les technologies à venir. Reality, c'est une structure qui est une offre de la Chambre de commerce qui a pour vocation d'acculturer, de sensibiliser les entreprises du territoire à leur transformation numérique et notamment à l'IA. Donc l'idée, c'est de pouvoir accompagner les entreprises qui ont des questionnements face à ce changement-là pour qu'on puisse les orienter, les accompagner et les mettre en relation avec les bons intervenants. Mais c'est aussi la possibilité de permettre à des entreprises qui veulent se développer dans ces technologies-là de croître sur le territoire.